Salut à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour la partie 3 de Rayman 1. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal avancé dans les Lumes, enfin je crois que vous avez pas trop vu, mais j'ai récupéré des les bonhommes roses, comme je vous le disais, les petits bonhommes roses. Donc j'ai 9 vies, là on est dans un niveau assez étrange quand même, dans les airs. Oula. Merde. Bon, j'ai 9 vies. Et c'est parce que, en fait, j'ai un peu... J'ai refait les niveaux sans vous. Ne vous inquiétez pas, vous avez rien loupé. J'ai juste... j'ai pas avancé, hein, j'ai juste refait les niveaux pour avoir toutes les vies au maximum. Pour pouvoir... pour voir que ça va bien se passer dans cette partie, que je vais pas avoir un autre game over, et j'ai pas envie un autre continu, c'est assez chiant, surtout que la partie 2 était assez pourrie car en fait j'avançais, j'avais fait qu'un niveau. Attends, je suis en mode galère là, faut moins que j'arrive à sauter sur ce machin. Voilà. Il y a ces petits trucs aussi, machin rose en dessous. Je sais plus comment ça s'appelle, hein. Pourtant j'avais déjà vu le nom, mais je sais pas, j'oublie à chaque fois. Alors je vais me les faire. Et voilà, on en a un. Oula. Je suis en mode galère. Oula, c'est vrai, ça c'est pas des nuages qui rebondissent, faut faire gaffe. C'est des nuages qui disparaissent. C'est différent. Oh merde, putain de merde. Bon bah... en plus il n'y a pas eu de checkpoint, ça me fait chier. C'est un niveau vraiment difficile quand même. Faut faire gaffe. Ce Rayman est réputé comme le plus dur, hein. L'un des plus durs Rayman. Donc c'est pas incroyable si je perds. Voilà, là, attention. Ce moment est assez difficile. Ok. Heureusement que je peux planer quand même. Mon nouveau pouvoir quand même, il sert pas à rien. Je l'utilise énormément. Bon, je pense que ce... si on récupère la première fois la cage, et je pense que c'est bon, on n'a plus besoin de recommencer. Oula. Attention, nuages qui disparaissent. Oula, je sais pas ce que je fais, mais c'est pas grave. Voilà. Ah, c'est un nuage qui rebondit celui-là. Enfin heureusement, parce que sinon je sais pas comment je ferai. Ah. Un espèce de sumo qui me fait ça. Ah. Et voilà. Un coffre qui est apparu comme ça, comme par magie. Ça fait toujours plaisir. Il faudrait qu'ils fassent ça plus tous les jours. Hein. Plus de fois, parce que là. C'est arrivé très rarement ça. Remarquez le magnifique soleil en arrière-plan. Et les couleurs chaudes. C'est vraiment beau. Bon, c'est quand même un niveau quand même assez vide. Hein. On voit que le ciel. Mais bon, c'est toujours agréable à l'œil. Surtout que la version PlayStation est la meilleure. Et ça se voit. Bon, par contre... si vous avez la vraie version, il n'y aura pas des bugs de son. Car sur mon PC, ça fait des bugs de son. Alors que je vous ai dit 1000 fois que sur ma PlayStation, ça marchait nickel. Oh merde, mais qu'est-ce qu'il me fout ce sumo de merde? Bon bah... putain, il n'y a jamais de checkpoint dans ce niveau. Je pense qu'on va recommencer à chaque fois du début. C'est vraiment... ils ont vraiment été forts là sur ce coup-là, Ubisoft.
Ouais, je vais réussir là, bordel de merde. Faut quand même que je vous montre tout le jeu. Faut pas que je fasse 40 parties. J'ai peur. Oh purée, mais... Comme quoi, c'est un peu chiant quand même d'avoir ce pouvoir. Pour sauter, pour rebondir, c'est plus chaud. Faut avoir un meilleur timing. Attention. J'espère que je vais pas rester à ce niveau de merde longtemps, sauf si je fais l'andouille. Pour l'instant, ça va. Comme je peux le voir, ça fait 5 minutes, enfin 6 minutes maintenant, qu'on est ensemble. Et je n'ai toujours pas avancé. C'est magnifique. Ah, maintenant, à la place du coffre, on a ça. Bon, par contre, il faut que je me le fasse, ce machin-là, voilà. J'adore les yeux qui rebondissent après. Ça fait vraiment... vraiment enfantin, et vraiment cartoon. Waouh, un magnifique son qu'on vient d'entendre. C'est quelqu'un qui vient d'éternuer. Et... il n'y a plus de musique. Comme d'habitude. Bon, vous aurez ça. Hein. Désolé. Désolé si ça bug, mais c'est pas grave. Bon, il faut que j'y réussisse à aller sur celui-là, même si ça a l'air assez compliqué. Attends, je vais réfléchir. Là. Oulala, là là, c'est magnifique. Yeah. Je viens de réussir comme un dieu. C'est incroyable. Oula, un niveau avec des méchants pas beaux. Ça fait peur. Oula, ça va être un niveau qui va bouger. Petite coupure comme d'habitude. Attention. Bon, ça m'a pas l'air largement difficile. J'espère que je vais pas tomber à ce moment-là, parce que ça m'arrive souvent quand je dis que c'est facile et ben je me plante. Non, c'est bon. C'est un niveau assez sympathique à l'œil. Avec bah, la neige qui tombe. Sauf que... bah, en gros, on est sur des nuages et il est en train de neiger. Bon, Rayman doit se les cailler quand même ici. Merde de merde! Oh putain, il n'y a pas un seul niveau où je vais réussir. Non, c'est incroyable ça. Je joue vraiment comme une merde, ça se voit tout de suite. Hein? Ah d'accord. J'ai pas compris. Bon, je pense que le scrolling nous tue. Du premier coup, carrément, oui, c'est comme ça. C'est comme ça, le scrolling nous tue. Wow. Oh la chance. Attention, on esquive ce petit éclair en chocolat. Voilà. Il n'y a plus le coffre. Mais attention, attention, attention. J'ai fait un peu du freestyle, mais ça valait le coup. Oula, c'était là que j'étais tombé. Non! Tu ne mourras pas, fils de... Ah, c'est bon. Ouf. Bon, je pense que c'était quand même un niveau assez chaud. Et je pense qu'il n'est pas encore fini. Ah si. Oh non! J'ai trop failli de tomber, mais c'est magnifique, je me suis rattrapé grâce au truc pour... bah, grâce à l'hélicoptère. Yeah! Grâce à... au magnifique hélicoptère. Et je viens de finir les niveaux, c'est magnifique. Et il y a une sauvegarde juste au-dessus. Bon, allez, on sauvegarde. Hein. Pour le fun.
avec la musique qui a la classe. Bon, c'est un peu long quand même. Alors, c'est bon. C'est parti. Et il n'y a plus de son. Ce jeu est vraiment discret. Ah. Avec l'une de mes musiques préférées. Cette mélodie magnifique qu'on retrouve. Merde, je voulais pas être petit. Je veux être grand. Je veux être grand comme mon papa. Ah, voilà. Et j'ai pas réussi à avoir ce bordel de truc. Tant peut-être qu'il faut sprinter. Bon, on peut pas sprinter, c'est pas grave, j'ai réussi. Car les vies sont très très importantes dans ce Rayman. Méga importantes. Ultra importantes. Ultra giga importantes. Ah. Bon, je sais pas comment l'avoir donc je m'en fous. Ça m'a pas l'air très compliqué là. Pour l'instant. Attention à l'éclair en dessous. Voilà. Attention au bonhomme. Ah, le serpentin, toujours. Esquive, attention. J'ai bien fait de me faire toucher à l'arrière. Comme quoi, quand on fait le con, on trouve comme ça une cage. Qui apparaît au dernier moment. C'est vraiment des fourmes, n'empêche. Ah. Là, on est à la fin du niveau? Non. Ce niveau est formé assez bizarrement. Attention! Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait comme saut, là? Ouh là, j'ai fait des sauts vraiment zarbes. Oh! Oh! L'esquive! Oh là 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 là. Je joue comme un demi-god. Faudrait que j'ai ceci. Voilà, c'est magnifique. Merde, Crudy. Je reviens par là parce que... Il y avait bien sûr le super point. Quoique, en fait, je l'ai déjà, donc je suis un peu con. Ah. Il y avait un truc. Comme par hasard, ils ont fait les fourbes et ils les ont fait apparaître au dernier moment. Ces nuages de mes deux. Je veux dire, ces nuages. Ouais, c'était donc comme ça qu'on attrape cette petite cage. Magnifique animation quand Rayman tombe. Le P. Je vais l'avoir comme ça, lui. Ah, c'est une technique que j'utilisais très souvent, hein. Même quand j'étais tout petit, j'étais très intelligent. Enfin, on trouve toujours des techniques dans des jeux, c'est... Surtout qu'on s'en souvient jusqu'à je sais pas quand, hein. C'est ça qui est incroyable. Par contre, là, il vaut mieux pas que je sois petit, parce que je saute beaucoup moins haut et loin. Oula. 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 Je suis pas mort. La grosse chance. C'est assez incroyable ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas trop comment on pouvait passer mieux que ça. Ce passage assez difficile à passer. Encore les espèces de sumo. Purée, il me reste plus qu'un point. Je suis un peu dans le caca. Oh. Et comme par hasard. Il y a un ennemi comme ça, les ennemis que je déteste depuis toujours. Bon, en ce moment là, je me suis assez bien démerdé. Et bien sûr, les machins roses, qui sont tout contents.
C'est la fiesta, j'arrive pas à tuer un ennemi. Oh purée. Il marche sur la main mais ça me fait rien, car je suis muscleur. Ah. Une nouveauté. Oula, j'ai peur que la cymbale m'écrase. Je sais pas vous, mais... Je me disais bien... Mais comment on peut esquiver ça? Ah non, on peut pas. On doit se grouiller, tout simplement. Ouais, mais on peut pas. Oh bah. Yeah! Ouais, en fait, je voudrais vous dire aussi que... Dans cette partie, je ne ferai plus le con. Et... Ah bah tiens, le boss! Comme par hasard. Avec une musique assez classe. Oula. Une musique qui va bien avec le boss. Attention par contre là. Voilà, je crois qu'il faut la voir comme ça. Comme quoi c'est pas un boss où faut réfléchir, mais c'est un boss vraiment sympathique, hein, j'ai l'impression. Par contre, je me souvenais même plus de ce boss. Comme quoi j'avais sauté quelques niveaux hein, quand je l'avais fait à l'époque. En même temps, j'avais pas de sauvegarde encore une fois. Car j'étais tout de suite allé au niveau... au niveau de la falaise, on va dire. Enfin, vous allez voir ce que c'est. Sur là, faut que j'aille comme ça. Voilà, là, faut que je me grouille. Parce que le scrolling va assez vite. Par contre, ah, je viens d'avoir une one-up. Parce que ça brille quand j'ai une one-up. Sur le côté où j'ai mes vies. C'est ce que je regarde le plus. J'ai peur de tout perdre. Oh merde, il y avait une vie en au-dessus. Je suis mort? Ah non. J'ai vraiment eu peur sur ce coup-là. J'ai cru que j'allais crever. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire là? Bon, ok. Ouais, c'est bon, il attaque. Oula, attention! Oula, c'est un petit malinois ce boss. Quelle esquive. Oh merde, mais je suis vraiment une bouse atomique. J'ai pas réussi. Voilà, je faut esquiver les deux et sans doute qu'il va recommencer à balancer son petit piranha note de musique là. Oula. Ah non, il est trop près de moi. Ah ça. Il est assez bien animé, je trouve. Et en plus son sprite est immense. C'est quand même assez impressionnant. Enfin bon, on est quand même sur PlayStation, n'oublions pas. Oula. Ah ok, une nouvelle attaque. Bon, la musique a sans doute bugué, je parie là. Ouais, y a plus de musique, c'est magnifique, comme d'habitude. Moi je préfère quand il y a de la musique, hein. On est plus dans ce trip. Oh purée. Oh, c'est vraiment dur quand même. Ce passage est assez chaud. Je pense pas que... Si je réussis du premier coup, franchement... Applaudissez-moi. Merde, mais qu'est-ce qu'il me fait là-haut? C'est une nouvelle attaque. Voilà, je l'ai eu. Ah, par contre, là, je suis un peu dans le caca. C'est quoi cette attaque? Ouf, heureusement qu'il saute assez loin. Esquive de gros malade. Re-esquive de gros malade. Et plantage de gros malade, non, même pas. Voilà, je suis en train de gérer, là. Je rocksors du petit poney à sa maman au 48, ça veut rien dire mais c'est pas grave. Je me suis fait défoncer. Ah bah c'est ça quand on dit des conneries. Encore une coupure de merde. Bon ouais c'est... C'est pas mal au moins on recommence ici au boss. Et ce qui est bien aussi c'est que la musique a repris. Je vous laisse un peu écouter cette musique pendant que je me concentre.
voilà une petite musique avec lui. Saxophone. À la classe à la Fire Flav. Le problème c'est que j'ai que 3 vies. J'ai pas gardé mes vies d'avant. Enfin 3 vies en parlant de mes PV. Ah, c'est quand même un boss assez chaud quand même à battre. C'est pas de la gnognotte. Attention. Ah, je vais me le faire. Oh merde, mais pourquoi il a sauté ce con? Oh là là. J'espère qu'il va pas refaire. Oh bah si. Ouais, c'est inesquivable le truc. Attends, je m'attendais pas à combattre un boss comme ça moi. Qui ait autant de points de vie. J'imagine pas le boss final. Alors, la musique qui reprend et qui bug, truc habituel. Allez, balance ton machin là. Qu'on en finisse. Putain de merde, oui, on en a fini, oui. Je suis mort, je suis fini. Oh là là, vraiment pas mal de trucs dans le best-of, hein, ça c'est sûr. Que je mettrai sans doute à la fin de toutes mes vidéos parties de Rayman. Ce sera en gros une conclusion, un petit best-of. Oui, là je me concentre hein, parce que là je vais me concentrer à fond. What? Et boum! Défoncé. Oh, bon là je crois qu'il faut que je shoot après. Oui. Que je passe en dessous plutôt. Non, faut même pas que je saute, sinon je serai touché après. Ah là, je pense qu'il va avancer. Voilà la petite feinte qu'il nous fait. C'est vraiment malin ce boss. Voilà. Eh, je me débrouille plutôt bien là. Oh, ouf. Encore une fois ça. Oh non. Oh, à chaque fois je fais ce coup là, c'est incroyable. Voilà. Plus que 2 fois je pense. J'ai compris sa technique. Voilà, esquive. Oula, purée, purée, purée. Oui, plus qu'une fois. Si je réussis la dernière fois là, franchement, je m'applaudis. Et je crois qu'on se quittera là. Et on sera... Mais je serai partant pour une 4e partie de ce magnifique Rayman. Attention. Yes! Boss vaincu. Je tire la langue. Petite grimace. Je parie qu'il va devenir mon ami après. Ah bah il est en train de danser comme un con. J'imagine on pourrait contrôler un saxophone géant. Enfin voilà. Donc je vous quitte pour cette partie. Je vais sauvegarder bien sûr. Car c'est très important de sauvegarder dans ce jeu. Méga important, de chez important. Donc on se retrouve dans la partie 4. J'ai bien aimé ce petit boss. Un petit boss à la fois pas trop dur mais pas simple aussi. Et très long à combattre. Franchement, j'aurais cru que les boss seront beaucoup plus simples. Donc voilà, franchement... Bon bah, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures.
avec Oliver Plasma. On se retrouve dans la quatrième partie.